Ils sont deux étudiants subsahariens qui ont accepté de partager leur vie universitaire avec nous. On va entrer dans la deuxième manche de notre émission, c'est-à-dire que je vais vous poser des questions et vous allez me répondre. Ah, si c'est répondable. Osego Igor, étudiant de nationalité béninoise âgé de 22 ans. Il a pour ambition de faire carrière dans les affaires. Pour poursuivre ses études, il a opté pour la Tunisie au détriment de l'Algérie, où il arrive en septembre 2017. C'est l'université Ibn Khaldoun qui l'accueille, où il s'inscrit en droit. Il a fallu peu de temps pour s'imprégner. De nature très actif, il n'hésita pas à intégrer le bureau de sa communauté. On dit de lui qu'il est calme et compréhensif. Il quitta le Mali un 28 septembre 2017 pour la Tunisie dans le but de poursuivre ses études supérieures. Sidou Guindon, étudiant de nationalité malienne à l'université Montplaisir de Tunis en deuxième année d'économie de gestion. Courageux et ambitieux, le football est sa passion. Jugé comme un ami fidèle et un étudiant travailleur,